Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. MotoGP. Petrucci le plus rapide aux essais libres du Grand Prix d'Espagne, Quartararo 3e. Au volant de sa Ducati, Danilo Petrucci a été le plus rapide lors de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix MotoGP d'Espagne. Le français Fabio Quartararo, Yamaha SRT, a pris la 3e place. Danilo Petrucci, Ducati, est resté le plus rapide lors de la 3e séance d'essais libres du GP d'Espagne samedi devant Marc Marquet, Honda, le français Fabio Quartararo, Yamaha SRT, accrochant une excellente 3e place. Petrucci est le seul pilote qui soit parvenu à passer sous les 1 minute 37 sec sur le circuit de Jerez dont le revêtement vient d'être refait. Il s'agit d'un nouveau record du Tour. Preuve des très faibles écarts enregistrés entre les plus rapides, les 12 meilleurs temps des essais libres se tiennent en moins d'une demi-seconde. L'Italien Valentino Rossi, Yamaha, septuple champion du monde, n'est pas parvenu à entrer dans les 10 meilleurs temps des 3 séances d'essais libres combinées qui sont qualifiées automatiquement pour la 2e séance d'essais qualificatifs. 11e, il ne lui reste que la possibilité de réaliser l'un des 2 meilleurs temps de la première séance d'essais qualificatifs pour espérer y parvenir. Cette 3e séance d'essais libres a vu un drapeau rouge déployé après la chute de Cal Crutchlow, Honda LCR. Le pilote britannique ne s'est pas fait mal mais l'une des barrières de sécurité pneumatique qui borde la piste a dû être regonflée. Quant au français Johan Zarco, il n'a réalisé que le 19e temps combiné au guidon de sa KTM. Les séances d'essais qualificatifs du MotoGP débuteront à 14h10 samedi.